Salut à tous et à toutes, bienvenue pour un nouvel épisode de Papy Corse s'éclate sur Arc Survival. Il est 19h04 et nous sommes le vendredi 25 octobre 2019. Et c'est parti. Hop. Donc on a fait les forges, donc on va planquer tout ça, hein. Donc il me faut de ça. Ça, on va le mettre là-dedans. On peut faire un truc comme ça. Ça, allez, hop. Tranquille, tranquille. Non, il est 13h04. Ah ouais, chez toi, ouais, ça fait 6h en moins. On va retarder d'une heure, donc bah, il y aura 5h de différence maintenant. Salut Pritzout, comment vas-tu, mon ami? Bien, bien. Cool. Pas trop de flotte en bas? Ah ouais, ils m'ont ratiboisé, hein. Ah, c'est l'autre où on a pété son steak et puis on lui a tué l'aigle qu'il avait piqué à Patricia dans la cryopode. Que Patricia avait pris dans les griffes et elle a failli le tuer. Donc il était pas content, il est revenu et il nous a tout pété. Hein, tout là. Enfin, il était déjà venu pour tout péter, mais là il a vraiment tout. Ouh. Il a pas fait de cadeau là. Il nous a pas laissé grand-chose. Donc voilà, je reconstruis, quoi, je me laisse pas. Voilà. Le plus dégoûté, c'est Lindis, notre fils, hein, Mino, hein, on va l'appeler Mino, hein, comme c'est Mino Life, sa chaîne Twitch, hein, c'est Mino Life, Pritzout, hein. Ton voisin, l'Ajaccien. Eh, vous êtes voisin, hein. Moi, je m'en sers pas, et les animaux, bah, on restreint, quoi, Pritzout. Sinon, il va venir, il va nous les péter, surtout pendant le Twitch. Moi, je m'en sers pas dans Kilo pour. C'est gentil, hein. Je sais pas si t'en veux un, tu vois. Il propose un Ankylo. Pas pour le moment, Pritzout. Pas tout de suite. Ouais, c'est sympa. Ouais, on gagne du temps, mais bon, après, faut partir parce qu'il n'y a pas beaucoup de métal sur l'île, tu sais bien. Et je sais pas si t'étais là la dernière fois quand je suis parti avec mon aigle. Il y a Dawa le gros caca qui m'a tué mon aigle et tout ce que j'avais dedans, mes trucs légendaires et tout. Donc voilà, dès qu'on quitte l'île, ça devient dangereux en Twitch, très très dangereux. Donc Patricia, elle, donc a fait son petit jeu là et voilà, je dis trop rien parce que sinon il va venir. Voilà, c'est. Mais c'est sympa. Plus tard, il n'y a pas de problème. Non, j'en ai pas pour 10 ans. Non, non, tranquille, près de zout. Parce que c'est doublé en plus, là. Puis j'ai une pioche rare. Bon. Pareil pour l'effort, je vais pas en refaire 6 parce qu'il va revenir tout péter. Donc. Non, doucement, mais sûrement, près de zout. Ça reprend forme. Mais je sais pas combien il a utilisé de C4, mais ça doit être impressionnant tout ce qu'il a dû péter. Hein. La base à Mino, là, notre fils, elle a plus de forme. Hein. Il avait mis une douzaine de tourelles. Regarde, il n'y a plus rien. Hein. Il a pété. Il a laissé les deux coffres parce qu'il n'avait pas mis de code PIN. Donc il a vidé ses coffres. Il a pété son frigo cryo. Il avait fait un labo, il avait fait pas mal de trucs dedans et ah, il n'y a plus que dalle. Hein. Je sais pas si vous voyez là, de là, il n'y a plus rien. Hein. Ces 12 forges, il les a pétées. Il en restait deux, il est revenu le lendemain, il a pété les deux forges qui restaient. Donc c'est vraiment de la méchanceté là. C'est plus du PVP, c'est de la méchanceté là. Ouais. C'est comment on appelle ça Ah, quand on embête une femme au boulot, c'est le harcèlement, voilà, c'est ça. C'est du harcèlement, hein, tout simplement. Mais bon. Salut, petit ours fond. Ah bon? J'ai scout la map, il y a plus de. Non, non, ils sont partis justement. On l'a eu et ils ont déménagé. Ils ont été sur un autre serveur, Prizout.
Ouais, on a eu un membre de Beekeepers, on leur a demandé justement et ils ont déménagé. Ils sont plus sur celui-ci. Ils ont tout mis sur un autre. Voilà. Donc je dis pas le serveur, hein, par contre. Il nous l'avait dit, mais je préfère pas le dire. Voilà. Bon, bah ça fonctionne, hein. Ok. Donc ça. Voilà, ça fait deux forges. Maintenant, faut que je mette les plafonds et puis les portes. Donc en attendant, on va aller chercher ça. Ils ont été violés. C'est-à-dire, ils ont été violés. Ils ont été violés. Ah, raid. Ouais, c'est ce que Patricia vient de me dire. Ils en avaient marre de se faire raid à chaque fois. Donc c'est peut-être à cause de moi, avec mon Twitch. Mais bon, j'y peux rien. Hein. Je crois que j'étais là avant eux, non? Il me semble. Hein. Et ça fait longtemps que je suis sur le 175. Hein. Faudrait que je regarde le premier épisode, voir si on a. Ah, le 160. Ou alors c'est. J'avais comment. Ou alors c'est le 176. Je sais plus. Mais il y en a. Au tout début? Ouais, c'est peut-être à cause de notre Twitch. Aïe. Ça, c'est pas bon, ça. Si c'est ça, c'est pas bon. Ah, c'est tes ennemis, Pritzout? Ah, d'accord, ok. Ok. Ouais, mais moi, c'est pas mes amis. Les amis de mes amis sont mes amis, hein. Attention. Hein. Voilà, c'est. Moi, je suis bien avec eux, je suis bien avec toi. Hein. Moi, je suis neutre, hein, Pritzout. Hein. Ah oui, si Flamat, ouais, Flamaté de Beekeeper, s'il me dit, ouais, Pritzout, tu peux pas lui faire un coup de fourbe et tout. Franchement, je lui dirais non. Dis bon, bah, on va te saquer, bah tu me saques. Hein, mais non, non, moi je suis pas comme ça, hein, ça c'est clair. On se sert pas de moi pour régler les comptes, voilà. Ah, je savais pas que c'était ton ennemi, Pritzout. Ah, t'es en alliance avec YSS, d'accord, ok. Oh là, oh là là. Ah ouais, bah ça. Ouais, j'espère que vous n'êtes pas servi de mon Twitch pour avoir des infos alors. Parce que ça, c'est pas normal, ça, hein. C'est pas sympa. Hein. Ah ouais, d'accord, ok. Je savais pas, ou je m'en rappelais plus. D'accord, ok. Ouais. Non, non, Beekeepers, moi j'ai rien contre eux. Contre toi, Pritzout, non plus. Contre YSS, peut-être un peu. Ils nous ont fait du mal, un petit peu, non? Voilà, il nous a embêtés, YSS. Hein, ouais. Mais bon, c'est de bonne guerre, c'est du PVP. Bon, voilà, c'est tout. Hein, c'est. Sans plus, hein. Sans plus, il n'y a pas de problème. Gang gang, c'est des cheaters. Ils ont perdu. Ah, d'accord, il y a eu un gros raid et ils ont perdu. Ah, je savais pas. Ils s'en vantent pas. Ils s'en sont pas vantés. Hein. Ok. Ouais. Ouais. L'Arbastèque, ouais, d'accord. Par contre, j'ai dit à un membre de Beekeeper, j'ai dit, c'est pas sympa parce que vous avez laissé vos fondations pour pas que l'obsidienne y revienne. Hein. J'ai dit ça, c'est un peu dégoûtant. Hein. Bon, il n'a pas répondu. Ouais, ça, je trouve pas ça normal. Tu quittes un serveur, bah, tu enlèves tes machins, tu embêtes pas les petits comme moi, quoi. C'est pas sympa, ça. Enfin. Ah ouais, d'accord, il y a eu un gros raid et ils se sont fait carrément lyncher. Donc, Ah bah ouais, bah, c'est pour ça que je vais pas dire le serveur où ils sont. Hein. Bah, tu le sais peut-être, hein, déjà. Mais c'est pas moi qui le dira, quoi. Qui va le répéter, quoi. C'est clair. Ah ouais, non, moi je rentre pas en ligne de compte, moi, là-haut. Moi je suis neutre, hein. Moi, ça, c'est clair que. Je suis comme le pH, hein. Plus c'est neutre, mieux c'est, hein, pour les poissons. Hein. Tu sais pourquoi les blondes, ils vont se coucher toujours les cheveux mouillés? Est-ce que vous savez ça?
Parce qu'avant d'aller se coucher, ils font la bise à leur poisson rouge. Non? Exprès. Non, c'est du spam, c'est fait exprès. C'est du spam, c'est fait exprès. C'est-à-dire, Beekeeper, c'est des petits, on est en guerre contre Gang Gang. Ah, Gang Gang. C'est des Chinois, Gang Gang. Ou c'est une tribu française, c'est qui ça, Gang Gang? C'est des petits. Beekeeper, c'était des petits. Bah, et on est, si c'est des petits, vous êtes 100 fois supérieur à nous, là. Ah bon? Ah! Je vais déclarer la guerre à YSS. Je veux me suicider. C'est international. Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais, là, vous êtes dans de... Ah ouais, 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 non, c'est pas pour moi, ça. Je suis en bas de l'échelle, moi. Je suis sur le marchepied, moi. Je suis pas tout là-haut, moi. Oh la vache. Non, moi, c'est tranquille, tranquille. Hein. Ça, c'est clair. Ah ouais, carrément, on est... Ouf. Ah ouais, c'est un investissement, alors, chez vous, là. Purée. C'est vraiment une guerre virtuelle, quoi. Hein. C'est ça, c'est carrément... Waouh. Hey, j'ai plus rien, là. Attends, attends, je vais t'en donner, là. Oh, 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 oh. Pas abusé, non. Ah, c'est pour ça que tu me dis t'en as pour 10 ans pour le machin. Bah ouais, vous devez avoir des forges industrielles, des ankylos qui, un coup de queue, ils te prennent 300 machins. Ah bah oui, tu m'étonnes. C'était gentil, non, c'est sympa. Sauf que Gang Gang triche. Ah ouais, non, mais c'est pas normal, ça. Les méga-tribes, lol, comme les goulous. Les goulous? Je connais pas. C'est ça, Pritzout. Sauf que... Ah bon, il triche, Gang Gang? Bah, faut voir avec les opérateurs de Arc, alors. Oui, exact. Il y en a qui sont venus, ils ouvraient les portes de nos bases. Oh, il y a longtemps. Vous avez des codes administrateurs. Des codes administrateurs, c'est ça. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, j'étais... Ouais, je me rappelle. Oh, ça fait longtemps. J'étais me réfugier dans une base, c'était au Castorin, hein. The Island, c'était pas là, hein. C'était... Oh, il y a 2 ans, hein. 2 ans à peu près. Hein. Je me barre, je vais chez moi, le mec il me suit, il ouvre la porte, il me tue, des... C'est quoi ça? Il y a un problème. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Non, sérieux Cédric, hein. Et ils avaient certainement des codes administrateurs, voilà, ils ouvraient nos portes et puis nous, voilà. Ouais, mais ça me fait rappeler qu'il y en a un, il me coursait. Je suis rentré dans la base, je me suis mis derrière la porte. Le mec, il est rentré, j'ai fermé la porte. Et puis, il me tapait, parce qu'il était beaucoup plus fort. Hein. Moi, je suis le noob, hein, le mini-noob. Hein. C'est passe-partout noob, moi. Il m'avait endormi, et puis il me disait « Open the door! Open the door !» Yes, 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 yes. Je me suis réveillé, là, attendez que j'ouvre la porte, j'ai pris l'échelle, j'étais là-haut, j'ai ouvert une porte, parce que lui, il pouvait pas ouvrir les portes, elle était vraiment fermée. J'avais un petit coffre, j'ai pris mon arbalète, et puis j'étais là-haut, lui, il pouvait pas monter, puis je l'ai endormi avec mes fléchettes narcotiques, puis après, je l'ai tué, il était vert. J'avais pris ses ailes volantes, là. C'était ce coup-là, t'en rappelles? Bah, à chaque fois, on se faisait lyncher encore, là. Ils avaient une... 8 longueurs d'avance, nous on était encore chez les papous. Ah ouais, ouais, non, c'est mémorable aussi. Mais je touchais pas à l'époque. Hein. Mais il y a des trucs, je me suis. Ah ouais. Open the door! Open the door! Yes, yes, yes! Dès que j'étais réveillé, je me suis barré là-haut. Puis j'ai. Oh, le mec il était vert. Ah, il est revenu, il nous a tout pété. Hein. Il était pas content. Hein. Il cherchait ses ailes partout, il les avait trouvées d'ailleurs. Parce qu'on avait mis des coffres forts, tu sais, un peu plus haut dans le bois, là. Et puis, on entendait le C4. Bang, 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 purée. Et puis, nous, on savait pas encore
la sombrité et le jour, là, comment ça s'appelle, là, comment ça s'appelle, là, tu sais, quand il fait nuit, on met plus. Comment ça s'appelle? Ah, c'est dingue. Le contraste, là, le machin, là, hein. Eh ben, eux, ils savaient, parce qu'ils mettaient, quand il faisait nuit, ils mettaient plus clair, mais nous, on savait pas. Donc, ils attaquaient de nuit, et puis ils nous tiraient comme des lapins. Nous, on voyait que dalle, nous. Les gamins, voilà, c'est ça. Merci, Cédric. Les gamins, merci. C'est, j'en fais pas exprès. C'est, ouais, j'ai des mots qui... Ouais, c'est là, je sais pas, c'est... Dur, dur. Ouais, c'est ça, les gamins. Nous, on savait pas encore, hein, le truc des gamins. Et eux, bah, ils nous voyaient. On se demandait, mais attends, on est planqués et ils nous tirent une balle. On allait se réfugier dans nos plantix, dans les bois. Ils étaient pas autorisés, en plus. Ouais. Et puis eux, de loin, avec leur fusil de précision, bah, bing, on mourait. Ils me disaient, attends, et comment ils ont fait et tout. Bah, on apprenait, on était des débutants. Hein. Ah, d'accord. Weed Car appartient en partie à des Chinois qui jouent chez Gang Gang. Donc les devs ferment les yeux. Ah bon? Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, alors là, bah, qu'est-ce que tu veux faire, franchement? Mais c'est pas normal, il devrait pas y avoir de tricheurs comme ça, il devrait faire quelque chose. Moi, qui me mette administrateur européen, moi, tu vas voir, ça va être vite fait, moi. C'est clair, le premier qui triche, voilà, un mois sans jouer à Arc, les roules. Si c'est à des récidives, c'est un... Après, c'est définitif. Allez, hop, va jouer à Mario Kart. Allez, go. Ah ouais, non, moi, alors là, je ferai pas de cadeau. Hein. Les tricheurs, je hais les tricheurs. Hein. Ah ouais, non, là, ça, c'est clair. Les menteurs et les tricheurs, non, je suis désolé, moi. C'est un non-retour. Hein. Ça, je peux pas. Hein. Ah non. Moi, je fais confiance. Hein. Si on me dupe, c'est fini. Hein. Ça, c'est fini. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Il y a deux joueurs qui étaient dans ma tribu, c'est des non-retours. Hein. Moi, je suis désolé. Hein. Ça, c'est... Ah ouais, non. Ça se fait pas. Hein. Non. Ce qu'ils ont fait, ça se fait pas. Allez, qu'est-ce qu'il y a à Fir? À Fir? Ah, Fir, il est toujours là, Fir. Mon ami Fir, le Québécois. Alors attends, là, bon, on va faire deux portes. Allez, deux portes. Est-ce que je peux faire deux portes? Tac, 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 tac. Oui, et puis ça, tac, tac, et tac, tac. Allez, tac, 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 tac. Let's go. En parlant de tac-tac. Vous connaissez Tic et Tac? Ils embauchent là à Disneyland pour faire le personnage Tac. Pas Tic, hein, ils ont déjà quelqu'un pour Tic. Pour Tac. Si y a quelqu'un que ça intéresse. Faut postuler. Ouais, t'es toujours là, mon ami Fir. Ah, ça fait plaisir. Le Québec est avec moi. Ça fait plaisir. Voilà. Donc voilà, je fais comme ça, hein. Je sais pas si ça vous plaît, hein, mais bon. Il faut que je me refasse. Hein. Voilà. Après, je fais les plafonds. Et puis, il faut que je couvre tout ça. Hein, voilà. Je refais la base, hein, écoute. Voilà, gain de faux. Donc là, j'ai du monde encore. Hein. On va bientôt fermer les chambres. Là, j'ai deux personnes qui sont venues ce soir. Ils m'ont téléphoné. Ils m'ont dit, ah, voilà, machin, tout. Ok, pas de problème. Voilà, ça continue tout doux. Il y a encore des touristes. Hein, Alors là où ils sont, c'est à Saint-Florent. Et à Corté. J'en vois en Corté. Saint-Florent, c'est parce qu'ils me l'ont dit. Et Corté, c'est parce que je les ai vus. Lille Rousse, Calvi, Ajaccio, il n'y a plus grand monde. Tu pourras peut-être pas me dire le contraire, Pritzout, parce que là, ils m'ont dit justement, ils ont été à Ajaccio. À 20h, ils étaient les derniers clients dans un restaurant. Les rues étaient vides. Par contre, ils ont vu le contraste entre Ajaccio et Bastia, Pritzout. C'est qu'à Bastia, il y a tout le temps du monde dehors. Sur les terrasses et tout, c'est plus convivial, si tu veux.
Comment dire? C'est plus vivant et c'est moins touristique. Parce que les touristes, ils vont surtout à Ajaccio et Porto-Vecchio, d'accord? Mais à Bastia, quand tu vois du monde, ce sont les insulaires. Ils sont au café, tout ça, et voilà, ils changent pas leur habitude et tout, quoi. Ce sont les insulaires. Donc c'est plus vivant. Bastia est plus vivant hors saison que Ajaccio. C'est ce que m'ont dit les estivants de ce soir, hein. Attention, hein, Donc toi qui habites à Ajaccio, près des autres, tu peux confirmer ou non, hein, puisque toi tu sens. Sinon, ça va, ton épouse et tes enfants, ouais, depuis le chlore, là, l'incident, là. Je t'ai même pas demandé de nouvelles, je suis naze, moi, hein, purée. Je sais pas si t'es encore là, là, ouais, vous êtes toujours 5, ouais, t'es peut-être là. Ça va mieux, ouais, ça y est, c'est passé, j'espère. Hein? Non, n'entends plus parler, exactement. Bah, ils ont fait autre chose. Hein. Ils détournent justement l'attention. Oh là, ça, bon, ça va, c'est un dauphin. Non, bah, apparemment, il n'est plus là. Ok. Ouais, sinon, ils nous ont piqué le basilot à Patricia. Hein, donc, son aigle et le basilot. Purée. Donc on était écœurés évidemment. Et on a vu un basilot niveau 110 qui se baladait à côté de chez nous, on se l'est fait. Voilà, donc on a perdu un basilot, on va dire, de 150. Et on en a gagné un de 180. Tranquille, tranquille, tranquille. Voilà. Faut positiver. Hein. Donc on s'en est récupéré un. Bon là, je vais voir le drop orange là de leur fête pourrave là. Bientôt, on va entendre. Oh, oh, oh. Pendant combien? 15 jours, 3 semaines. Oh, qu'est-ce que ça m'a pris le chou, ça. Allez, qu'est-ce qu'il va. Il nous donne souvent de la bouffe, hein, ces drops orange là, de l'event. Et ben voilà, je vous avais dit, hein, du citron, du maïs, des carottes, du poisson. Il n'y a que de la bouffe. De la viande de qualité. Voilà. Il n'y a que de la bouffe. Bon, ben moi je me ferais bien un feu vite fait si je peux. Si je peux, qu'est-ce qui me manque? Pierre bois, je vais le faire vite fait. Hop là. Allez, go. Ah, je suis plein aussi, ça m'énerve ça. Ah ouais, ça c'est pas glop. Aïe. Purée, purée. Je vais me lourder mes viandes de qualité. Je vais essayer de les faire cuire vite fait. Qu'est-ce que t'as ta faim? Oh. Salut GG, comment vas-tu mon ami? Bien, bien, bien GG. T'as pas trop froid, y a pas trop de neige là-haut? Tu fais de la luge, non? Pas encore. Ah, vaut mieux de la neige que de la pluie, hein, parce que là, t'as vu les inondations là, c'est. Waouh! C'est fou, hein. C'est les moussons françaises. Dingue. Ouais, donc il faut que j'aille vite fait du bois et de la pierre, du bois et de la pierre. Est-ce que j'ai que dalle? GG, il est là, mais moi j'ai rien du tout moi. Bon, on va mettre ça vite fait, tac là-dedans. Donc là, ça se périme. Purée, pierre et bois. Oh là 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 là, j'ai même pas de feu là. Pas chez moi, mais un peu plus haut, il y a de la neige. Déjà? Oh la vache. Il y a déjà de la neige. Moi, c'est peut-être de la neige éternelle. Il y en a toute l'année, non? La pierre, de la pierre. Il n'y a même plus de pierre là. Attends, c'est un truc de malade, il n'y a plus de pierre là. Bon, il y a Jacques. Jacques, Pierre, Paul. Ouais, bon. Allez, hop, tac. Vas-y, dépêche-toi, mets ton feu. Allez, vite, 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 vite. Voilà, vas-y, on va mettre ton feu. Je sais pas si je vais l'avoir. Hein. Le E, le E, le E, le feu. Ah ouais, non, non, là, c'est bon. Ah, il est où, là, le feu? C'est quoi, ça? Il me faut de la pierre. Vas-y, laisse tomber. Vas-y, bouffe-les. Je les bouffe. Voilà, comme ça va pas se périmer. Poisson, on s'en fout. Ah, ça me gave.
J'ai même pas un feu. Attends, il me faut de la pierre. Voilà, la pierre. Il a neigé ? Ah d'accord, ok. À combien ? À 2000 mètres de haut, alors ? Enfin, pas de bas, oui, à 2000 mètres. Pourquoi de haut ? À 2000 mètres en bas, il ne neige pas. Hein. C'est vrai, il n'a jamais neigé sous l'eau. Hmm ? On va philosopher. Allez, un petit fiot. Allez, je fais un feu. Ça m'apprendra. Voilà, allez, go. Un feu de camp. Oh, la lune, elle est orange. Les émeraudes. Allez, go, on y va. 19h30. Ah, tchoum. Bon, on va faire un tifio, on va le mettre où le tifio ? On va le mettre, je sais pas, on va le mettre là. Allez, on va mettre un feu là-bas. On peut pas le mettre avec... Attends, bouge. Là, avec le... Là, juste là, 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 non, t'y vas pas, là. Ah, oh, c'est dommage. Là, pareil, t'y vas pas. Non, t'y vas pas. Bon, bon, tant pis, allez, casse-toi. On va le mettre là. Voilà, hop, hop, voilà. On va mettre le bois, on va allumer le feu. On va faire ça à la Johnny. Allumer. On va mettre le poisson de qualité. Si on y arrive. Ouais, c'est ça, GG. Il y a l'event à Loulou. Mm. Tout à fait. J'ai un autre feu. J'en ai fait deux. Bon. Allez, soyons fous. Je suis trop près, donc. On va le mettre là. Mettre du bois, du poisson. Du poisson. Ah, il a pourri. J'ai pas eu le temps. On va mettre la viande. Allez, hop. Bon, qu'est-ce que t'as ? T'as ta faim ? Allez, mange. Mange tout ça. Voilà. Ok, bon ben merci de m'avoir suivi. Rendez-vous au prochain épisode. Ciao, bye bye. Oh là, j'ai fait comme bêtise, moi. Je brûle. Allez, ciao, ciao.